Bonjour. Regarde-moi ce top 4 mon copain. Regarde, il a un fauté dans la gueule. Regarde ça. Vas-y, mais mange-la. Il faut que tu la manges, dépêche-toi. Oh, bon, c'est bordel. Allez, gaz. Je suis là, vas-y. Alors, j'étais avec Baguette. T'es là? Regarde, alors attends, tu vois, déjà tu te rends compte la que dans les mains, elle est costaud. Alors tu te rends compte que dans les mains, elle est costaud. Et là, tu vois, je vais lui passer, regarde quand il la tient. Regarde bien. Regarde cette baguette, t'es prêt? Regarde-moi cette baguette, mec. T'en veux, ça. T'en veux ou quoi? Allez, tu lèves la baguette. Hey, regarde cette baguette. Tu lèves la baguette. Allez. Regardez-moi ce con. C'est bon, arrête là! Oh merde! J'étais sûr, mais quel con! Il est con, putain! Tu peux arrêter le véhicule, mec? Oh, tu me fais chier, bordel! Putain, mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Attends! Attends, je te pilote un peu plus là! Allez, merci! Alors attends! Du coup, je vais quand même valider ma théorie parce que tu vas falloir que tu me roules un peu dessus quand même. Oh putain, mec, il est... Mais qu'est-ce qu'il veut? Attends, laisse-moi tester un truc. Attends, voilà, juste ça, attends, je dirais quand j'ai assez mal. C'est bon, attendez, j'ai plus que 5 de vie là. Attends, est-ce qu'on va le voir, attendez, on va le voir. Alors, est-ce que ça le fait? Vous êtes prêts? Oh le con. Ça fait tout ensemble, ça fait tout remonter, mec. Oh, c'est trop bien. Allez, avant de partir, on va se faire un paquet. On va être mazou, s'il n'y a pas de mazou, c'est pas intéressant. Attends. Putain, il est parti comme un avion. Aouh. Merde. Ah merde, tu vois, désolé, tu bugs en même temps. Ouais, connard. Tu bugs. Il m'a foutu dans l'eau, regarde ça, quel bâtard. Je flotte comme une grosse. Tu t'as volé, tu t'es explosé contre les remords, tu sais. C'est un mec qui est con, bordel. Arrête, attends, je peux pas monter. Là, je te pète ton véhicule, moi! Je vais te péter les carreaux, moi! Je vais te refaire les carreaux, moi! Enculé, va! Casse-toi! Il a même pas se relever, ce bordel! Ouais, casse-toi! Enculé, va! Hey, les carreaux, putain! C'est pas toi qui paye les carreaux! Est-ce que l'impact fait moins de la taille d'une pièce de 2€, monsieur? Regarde. Allez, monte ce putain de bagnole. Ah, putain, vas-y, attends, on y va. Allez, on y va. Ah, il est beau ce réservoir. Mais allez, elle est trop haute ce bagnole. Je vais monter, moi. Allez, putain, magne-toi. Allez, ça va pas y aller. On va jamais le faire, ce truc qui va rouler dessus, culé. Allez, monte. Mais j'arrête pas de cliquer sur ton coffre, là. Ah. T'as vu, c'est chiant. Tu vas rentrer par le trou dans la vitre. Tu vois que tu fais un trou dans cette vitre. J'en ai marre de cette connerie. Oh, y'a le rouge. Y'a le rouge. Quoi? Casse-toi, y'a le rouge. Il y a un mec juste là, il nous a pas vu ce con. Et on les a pilonnés. On les a déboîtés. Requiert une clé. Ouais, vas-y. C'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la clé, tu l'as récupéré celui du robot par terre. Non, c'est toi. Mais non, c'est toi, je l'ai pas récupéré, je t'ai laissé la récupérer. Et tu viens de la poser dans le coffre. Mais non, j'en avais une sur moi exprès. On a trois de clés, je te l'ai laissé dehors, moi j'ai pas touché. Hein. Ah, mais je l'ai pas pris non plus la clé. Putain, que saucisse. Hein. Et lui qui était à côté, je dis je vais le laisser tranquille, il la veut la clé, je vais le laisser. Il l'a laissé quand? Oh bordel. Faut qu'on aille la chercher après. Et si on appuie pas non, sur l'ascenseur, ça va pas descendre, non? Non, mais. S'il y a des spawns, la clé, ma mec. T'es une là. Waouh! Oh, je sors. Fais gaffe, il y en a un au fond là-bas, tu l'as vu? À gauche là, putain, l'enculé.
Y a pas qu'un seul mec. Ouais, y en a plein. T'arrives, porte. Ils sont deux. Oh là, les gars, c'est... Trois, il m'a eu. J'ai la marque baguette sur moi. Eh ouais, mais je peux pas la prendre. Mais si, tu peux récupérer mon corps. Je crois pas, non. T'es en train de réapparaître, là, je peux pas. Putain, c'est pour ça qu'il en faut. Vas-y, je suis à côté. Wow, c'est toi? Oui, c'est moi. Mais petit coup de stress, tu sais. Sur les ventilateurs, il y a un truc qui brille. Non, je suis allé là-haut. Non, celui-là. Tu le vois? Non, t'as pas fait ça. Non. Mais quel con! Je le crois, ce triple con. Le jeu, il va dire le gros con. Ne jamais écouter le patron. Première loi. Oh putain, fils de pute! Oh non, tu t'es laissé au milieu et la Mac baguette. Putain de merde. Oh là là, tu vas la prendre la Mac baguette. Oh, t'es resté au milieu. Putain, ce soir, c'est toi le boulet, quoi. Ah, quelle sacrée histoire. Il y avait un gars qui s'appelait Nolan, pas méchant. Il lui a rien arrivé, je vous rassure. Il était adossé contre la vie, tout ça. Et on avait pris une lime. Mais quand je parle des limes, je parle pas des limes pour les ongles. Moi, je parle d'une lime pour le métal. C'est un truc, c'est... La caméra, attends, je te la montre hors caméra. C'est Comas et c'est putain d'épée. Et en fait, Nolan, il me jetait la gomme. Et moi, j'étais comme ça avec la lime, comme du baseball. Je faisais ça là, dans la classe. Je mettais des gros shoots. La lime, elle s'est décrochée du manche. Elle allait taper dans le montant. Il y avait une espèce de trou dans le montant. Là. Et un Borto. Rigole pas, j'étais pas bien. Et un Borto, il fait waouh, les gars, le prochain nous a arraché. Alors, je dis non, merde. Lui, il prend un bout de papier, il commence à colorier en gris comme la couleur du montant. Et il met le papier. Genre, il était comme ça, vas-y, une heure après, on retourne en cours. Et le prof, genre, il tilte rien, on se regarde avec Borto, genre, ah, et genre, mais waouh, des mois plus tard, le prof, il nous parle, qui s'arrête d'un coup net, il regarde le montant, il arrive avec le doigt, il fout le doigt dans le papier, il pète, mais il a séché, c'est la crème, il pète, du coup, le prof fait, oh, ils sont fragiles, les montants. C'était pas mon bac. Il est mon gars, putain. Ah oui, à l'école j'avais fait trop de conneries. J'étais à... Je partais au boulot à Recairo, que tu connais là. Ouais. Et tu vois la route de Fendeil, il y a une route qui va en Ariège. Ouais. J'ai dû appeler les flics à 6h du matin parce qu'il y a une vache qui dormait au milieu de la route. Le gendarme il arrive de Castel, il me fait oh putain, je sais qui c'est. Il prend le téléphone, il fait « Allô, Guy, ouais, il y a ta vache au milieu de la route. » J'étais mort dans la voiture. Il avait fumé, cet enculé. Je disais « Putain, hey, ta vache au milieu de la route. » Et en plus, le pire, c'est que je faisais des appels de phare, gros coup de klaxon, tu vois, j'y mettais des coups de pression, la vache. Bah, ah ouais, mais complet, c'est un truc de ouf. Hein. Bah, il y a un coffre, t'es fou. Il y a des coffres là-haut, mec. Et il y avait du métal. T'es une saucisse.